Donc, elle ici vient prendre cours gratuit, cours d'histoire gratuit. Voilà, je vous donne cours d'histoire gratuit. Gratuit, tu n'as pas besoin de payer 1 franc, 25 francs. Vous comprenez, non? Vous pouvez appeler Sissi, si c'est possible pour moi. Vous pouvez le taguer pour moi si c'est possible. Hein. Voilà. Général Sissi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez fait une vidéo hier. Oui, c'est normal. Tu as le droit de faire tes vidéos. C'est normal. Mais ce que je veux te dire, c'est très simple à comprendre. Si tu veux payer pour toi à quelqu'un, mais dites à ta famille de prendre leur clic et clac et rassurer Rogne, de partir chez eux, de retourner en Haute-Guinée. Maintenant, quand vous retournez en Haute-Guinée, je pense bien que maintenant, on est au Bénin-Rodi, on est au Haute-Guinée, on est sur le Lina, au Bénin-Rama. Est-ce que vous comprenez? Mais au coup, comment est-ce possible que tu peux payer pour toi? Il doit me rire. Eri ben yona kanyima. Hein? Wow. C'est impossible. Amourabama. Quand nous on parle, les gens viennent nous dire qu'on est ethno. Ouais. Eva la mumba a ethno nana mona. Et pourtant, quand Sissi faisait sa vidéo hier, il n'y a que des malinqués qui sont là-bas en train de commenter tout ce que Sissi disait, en train de dire bravo, liker, partager. Là, vous n'avez rien dit. Quand nous, on réplique, « Ouais, voilà que, ouais, ethno, bété, reiki, bégo, reiki, ouais, gila, maras, gagele, I don't give a fuck. On a rangane ma gueule, on a rangane ma gueule. » Voilà. Est-ce que vous comprenez, fille? Donc, Sissi, c'est très facile à comprendre. Moi, depuis que tu as commencé tes communications, Mounou est attaqué nulle part. Je ne t'ai pas attaqué nulle part. Parce que c'est ton droit. Il a droit à communiquer. Mais il n'a communiqué que. Hein? Il n'a fait ma communauté. Là, je vais te répondre. Clairement. Vous comprenez, non? Là. Donc, général Sissi, El Sissi, qu'est-ce que je veux te dire? Moi, ma flèche, il te haute Guinée, il y a une société qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. 85 que vous parlez comme ça, il y a 85 qui est riche, qui est riche, mais c'est 85. Hein? Quand vous parlez des arrivistes, nous sommes en Guinée arrivistes. Premier arriviste en Guinée, c'était nous les Soussous. Deuxième arriviste, c'était qui? C'est des Peuls. Troisième arriviste, c'est qui? C'est vous les Malinqués. C'est vous les malinqués. Vous êtes les troisièmes arrivistes en Guinée. Mais aujourd'hui, vous voulez changer l'histoire en disant que, ouais, c'est les peuples qui sont arrivistes en Guinée. Vous êtes les troisièmes arrivistes en Guinée. Regarde comment la Guinée est divisée. Regarde bien comment la Guinée est divisée. La Guinée est divisée en trois, en quatre régions naturelles. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça commence d'abord par la Basse-Côte. Par la Basse-Côte, ça veut dire que premier arriviste en Guinée. La moyenne Guinée, ça veut dire que deuxième arriviste en Guinée. La haute Guinée, ça veut dire que troisième arriviste en Guinée. Et la Guinée forestière, etc., etc. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez de parler de arriviste. Vous êtes des troisième arrivistes en Guinée. Vous êtes. Et puis, ce qui me fait mal, et n'a gagné un offre là, à ce sujet, n'a rien à. Empire Soso, Anna Soso Ramuna, Sanda Anna Soso Ramuna Basse-Côte. Nous on dit Alhamdulillah, Anna Soso Ramuna Basse-Côte Awa, Mumbarati, Alou Rumbe, Alou Mandeng Narana Mali, Namaninke Fangamuna Haute Guinée. Parce que nous on a des preuves que oui, Soso Narenuna, Empire Soso, Anna Soso Narana Basse-Côte.
Voilà. Proverbe où aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez bien. Wakulun Sindé, comment ancien royaume du Ghana, il y avait au moins 150 ou bien 155 ethnies, si je ne me trompe pas. Ça, 155 ethnies qui étaient à l'ancien royaume du Ghana. Quand l'ancien royaume du Ghana est détruit, il n'y a qu'un feu. Combien d'ethnies n'arrivent pas, il y a empire se sont créés, il y a groupe créé, il y a gali créé, gali n'a pas empire, il y a empire n'a pas empire se sont, il y avait combien d'ethnies? Allez-y chercher l'histoire d'abord. Il a répondu. Est-ce qu'il y a à comprendre? Il y avait 14 ethnies qui ont fondé, qui ont créé et fondé l'empire se sont. Est-ce qu'il y a à comprendre? Donc on a 14 ethnies là, qui partout en Afrique. Partout en Afrique, empire Soussou, à tout moment, les Soussous se trouvent où? Les Soussous se trouvent où? Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, et nous les Soussous, pour nous, le pouvoir là, quand il y a Bassinara, on fait quelque chose avec ça, après on donne à quelqu'un. C'est pourquoi c'est le seul empire en Afrique de l'Ouest qui a connu six, je vous dis bien, six rois ou bien six empereurs. Mengeseni Narandengi empire Soussou. Narandengi empire Soussou. Parce que pour nous les Soussous, le pouvoir, on fait quelques césures avec ça, après on donne à quelqu'un. Vous comprenez, non? Mais quant à vous, La Mandingue vient de commencer. La Mandingue a commencé par Sunyata Keita, Mandanga Tana Mama. Un peu Mandingue a commencé en 1235. C'est fini. Et Ramenga Singe, il faut Sunyata Nama, Mandanga Tana Mama. Vous comprenez, non? Menga Singe, il faut le Tana Mama, Mandanga Tana Mama. Donc, on a mis ce volet de Mani. C'est point d'interrogation. Il n'a pas de Mandingue qui est Maninkawu na ramfalama malin wata muna maninkawu ramfalama aske ya komporanga wo muna maninkawu ramfalama atagi ku ya lo banu korenu korenu gori. Aske vous comprenez wo maninkawu nu afalama di mali rabambarangu atagi ku ya imon na tungu wata nga maninkawu anu mandingwe na re na kazamas na re na comment on appelle. Comment il s'appelle le pays là? Guinée-Bissau. Donc, il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Donc, entre vous là, il y a, voilà, les Yula qui sont en Côte d'Ivoire, il y a un pays qui est un pays. Différence na wo pays qui est un pays. Est-ce qu'il y a à comprendre? Différence na wofanga maninkeru ma. Maintenant, autant 4 personnes, autant 4 naranaki, autant 4. Ndena mandenge vrera. Ndena mandenge vrera. Ndena mandenge vrera. Donc, allez-y partout dans le monde entier, au Maroc, Tina Soso. On va voir la Soso, va voir la Soso. Voilà, anum voilà mana singe Soso. Maintenant, modernisation tofa donc na modernisation nané na rabala susu asga comprendre black clat you know donc général sisi siga sindé ibaka comprendre isiga sa histoire fin ou bien soit tu afalera famille be irakeli sanda quoi comme on appelle bascotte irasga wote guiné alors mais quand tu es en bascotte là tu es. C'est forcé, tu vas nous respecter, bro. C'est forcé. Voilà. C'est ça même. Gambie aussi, mon frère, c'est lui. Big up. Voilà. Gambie aussi, il y a des mandingos là-bas. Les mandingos qui sont là-bas et les malinkés qui sont na rena wongoni. Irawikiremara. Donc, qui est le vrai descendant de Sunyata Keita? Point d'interrogation. Vous comprenez, non? Mais nous, les Soussous, quand tu prends, par exemple, 1078, il va comprendre. Big up, big up.
Il a associé Tongo. Il va comprendre. Il a ce qu'il y a à Maroc en Yéti. Combien d'ethnies qui ont fondé l'Empire Soso? Agnon? Débat Bayon. Est-ce que vous comprenez? Débat Bayon. Combien d'ethnies qui ont fondé l'Empire Soso? Regarde tout récemment, ils voulaient mélanger les Djalonkés. Les peuls, Fouta Diallo. Ils voulaient mélanger la famille là-bas, soi-disant, et ça fait la Djalonké, ben ouais, Fouta Diallo, Wodbeina Ramé. Les Djalonkés sont des Sosoka. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand on dit Soso, c'est un Soso. Mais quand tu prends la définition Soso, ça veut dire la nation en français. Ça veut dire une famille, la nation de 14 ethnies. Les Djalonkés font partie de cette nation. Vous comprenez, non? Les Djalonkés font partie de la nation Sosoka. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, est-ce que Djalonkés ont dit oui? On dit oui, mais... Vous savez que les peuls sont des oncles des soussous. Donc, ce mot n'a pas voulu garder. Malgré que vous avez instauré ça dans la tête de vos enfants, que oui, l'ennemi des soussous ici, c'est des peuls. L'ennemi des peuls ici, c'est des soussous. Vous comprenez, non? Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre. Ina la Guinée Beremato, Bascot no Moine Guinée, Wamato, frontière metagi, limite metagi. C'est pourquoi Télémine Faras ou Bascot Kui, Bas Guinée Kui. C'est pourquoi Kundara Faras ou Bas Guinée Kui. C'est pourquoi Gawal Faras ou Bas Guinée Kui. Vous comprenez non? Parce qu'il n'y a pas de limite. On est des oncles. Soronan Nassosu et nous foulera. Soronira, parce que c'est les deux arrivistes en Guinée. Les Soussous étaient le premier arriviste et les Peuls sont des deuxièmes arrivistes. Vous êtes le troisième arriviste. Maintenant, vous êtes là aujourd'hui de traiter les autres communautés comme des arrivistes. Et quand vous dites que nous, les Soussous, nous sommes arrivistes, les Peuls sont des arrivistes en Guinée. Et, mais comment est-ce possible que vous, les premiers, vous, les autochtones de la Guinée, vous savez quand retrouver votre Guinée, hein? Comment est-ce possible que vous êtes en Haute-Guinée? Hein? Comment est-ce possible? On ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Comme vous êtes des premiers arrivistes en Guinée, là. Vous êtes des premiers arrivistes en Guinée, là. Hein? Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé que vous, en tant que premier arriviste en Guinée, on a rassalé Haute-Guinée? Hein? C'est impossible. C'est très facile à comprendre. Premier arriviste, c'est en Basse-Côte. Deuxième arriviste, c'est en Moyenne-Guinée. C'est fini. Troisième arriviste, c'est en Haute-Guinée. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Laissez l'autre n'a qu'à faire son pouvoir tranquillement. Nous, on cherche à réconcilier cette nation, cette commune, les différentes communautés. Les Guinéens, Autant moi, maman, c'est une fille qui est là, Guimerina Ragna, Soussouena, Foulena, Manikena. Et pourtant, on a fait une idée, ma. Cette idéologie-là, ça va jouer sur vous. Ça va jouer sur vous. Parce que les Malinkés se trouvent en Haute-Guinée. Avant d'aller en Haute-Guinée, là, il faut passer par la Basse-Côte. Tu passes par la Moyenne-Guinée. Et si nous, on barre Kindia, et que la Moyenne-Guinée barre. Comment ça s'appelle Mamou. Qu'est-ce que mon roi dit? Et aura dirigé même, ils ne sont pas conscients que, ouais, il aura donné ça au roi, il aura tout dit ça au roi. Si tu veux aller chez vous, il faut 2 jours. Il faut 2 jours. Une minute, ça sortit. Comme on a ma conscience, ton gode, aura mérité, il aura au roi. On va mener nous fa, et nous basse-côte, nous foutre, et nous mener. Et pourtant,
sert tout à la raie à femme à barre à fal à fal ne ou ben les malinqués venez travailler, vous allez gagner quand vous venez travailler ici en basse-côte. Ramassez l'argent et retournez-vous chez vous, vous allez construire là-bas. Car ici en basse-côte, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Mais quand je vois aujourd'hui vos dirigeants en train de ramasser l'argent, en train de construire, vous dites que telle personne a 25 villas, telle personne a 15 villas, telle personne a 20 villas. C'est pour qui? C'est pour les basse-côtiers. Parce que aujourd'hui, demain, à mon canal, mon nom est bien dégagé des temps des mots. Est-ce que vous comprenez? Donc, Elsisi, quand tu parles de l'histoire de 85 là, il faut bien réfléchir. Voilà, parce que moi je sais quelque chose. Pourquoi 21e siècle vous êtes contre les peuples? Moi je sais. La manière que vos parents vous ont expliqué l'histoire là, c'est la même manière que nous aussi, nos parents nous ont expliqué l'histoire aussi. Vous comprenez, non? Vous êtes contre les peuples aujourd'hui en 21e siècle parce que vous dites qu'en 1985, c'est les peuples qui ont confisqué le pouvoir. Et pouvoir tomber sous l'ancienne compte à la raie à femme. Oui? Que parce que foulé n'a pas pouvoir confisquer 85. Quand Diarra Traoré a fait le coup d'État, hein? Quand Diarra Traoré a fait le coup d'État, c'est les peuls qui ont confisqué, c'est les peuls officiers tels que général Baldé, les colonels, je ne sais pas si c'est colonel So ou bien colonel Diallo ou bien qui. Plein d'officiers peuls. C'est eux qui ont sorti, manifesté, confisqué le pouvoir par la main de Diarra Traoré. Ils ont retourné le pouvoir à le feu général Lansana Conté. Depuis lors, c'est fini. Aura combat à Narafolo. Depuis lors. Et pourtant, les peuls, ils ont oublié que Tout ce que Sékou Touré a fait à les peuls, Soussou, etc. Et tout le monde a oublié parce que quand Conté est venu, à Birimfin de Kérinana, il a rassemblé toutes les Guinéennes. Ah, moi, c'est Birimbeki, ouais, les Guinéens, Birimkirin, ou Birimbenana, Bira. Mais maintenant, il est parti. Mandeng est venu. Au Barafolo, histoire, mon ami, dit. Ouais, 85, telle personne a tué telle personne. 85, telle personne a assassiné telle personne. Telle personne a emprisonné telle personne. Si vous voulez ça, dites à vos parents de rentrer chez eux. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi chez lui. Sur la terre de ses ancêtres, c'est impossible. Tu ne peux pas gagner là-bas. Donc, il faut dire à les cadres malinqués ou bien à les ressortissants malinqués qui sont en basse-côte de se retourner en Haute-Guinée. S'il faut même, vous allez demander votre indépendance. Wallahi! S'il faut même, vous pouvez demander votre indépendance. Mon aura indépendance, oui. C'est fini, la guerre est finie. Voilà.